Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Comme vous pouvez voir, superbe journée d'hiver aujourd'hui. J'étais dans l'atelier ce matin. Là, vous allez voir cette vidéo-là là, dans les jours, semaines à venir. Puis ben là, il fait trop beau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé là, de jouer dehors, fait juste en dessous de zéro, la superbe température là, pour avancer les travaux. Le sol est gelé, mais pas trop. Donc j'avance mon stationnement enfin. Là, c'est quelque chose là, que j'essaie d'avancer depuis presque 2 ans maintenant. Puis bon, ça prend tout le temps le bord au contrat puis au projet qui ramène de l'argent. Donc là, je vais essayer de donner un petit boom cette semaine, étant donné que j'ai pas de contrat, avancer ça. Puis ça va faire en sorte aussi que je vais continuer à apprivoiser la mécalac. Ce que je suis en train de faire, là, c'est tout ça en dessous de ça, c'est de la terre qui a déjà été un peu creusée. J'ai des souches, du topsoil là, à creuser. Fait que dans le fond, je m'en vais. Il y a un ruban bleu là-bas, ça c'est un érable que j'entaille pour du sirop d'érable. Fait que ça, je vais le garder. Fait que je vais me rendre jusque-là. J'ai quelques arbres à couper. Je ne sais pas si je vais me rendre à ça aujourd'hui. Fait que mon but, c'est de commencer à tout transporter ce matériel-là dans le fond de ma cour. Donc, je vais commencer par mettre le bucket à creuser. Je pense juste pour ramollir tout ça, puis tu sais, trouver la terre en dessous de la neige, juste creuser, puis après ça, je vais remettre le gros bucket là, pour le transport.
journée le lendemain. Quand même bien avancé hier. C'est sûr que il y a quelques constats. J'avais déjà travaillé un peu l'hiver avec ma pelle, mais pas tant que ça. Des chenilles en caoutchouc dans la neige, en pente, ça vaut pas grand-chose. Fait que c'est très glissant. C'est un peu plus froid ce matin, fait que j'espère que ça va moins... Le spin des chenilles va peut-être un peu moins faire virer la neige en glace rapidement. On va voir. J'ai quand même bien avancé. Un constat, c'est que la machine... deux constats. La machine consomme plus que ma pelle. Parce que bon, c'est un moteur 75 HP versus 53 HP, fait qu'automatiquement ça boit plus. Mais c'est aussi que, de par la nature de la machine, on la laisse révolutionner tout le temps au max. Je sais qu'il y a bien des gens qui ont des excavatrices, je me suis fait suggérer ou recommander de toujours fonctionner avec les révolutions presque dans le tapis. Mais avec ma pelle, je me trouvais souvent peut-être à 50%, 60% de révolution, juste à cause des tâches que j'avais à accomplir. J'étais rarement en mode fort, à part quand je faisais du broyage. Donc, fait que ça, c'est une petite considération. Je vais peut-être avoir une plus grande consommation de diesel. J'en ai d'ailleurs plus ce matin, il faut que j'aille en acheter. Donc, avant de me relancer, je vais aller faire ça. Puis ben là, je me suis mis de la terre pour essayer d'aider, mais ici, quand je descendais, j'arrivais pas à tourner. C'est banal comme ça. C'est juste trop glissant, fait que j'arrivais ici, puis je continuais à glisser, même en mettant la blade. En fait, la blade, dans de la glace, dans de la neige, ça sert à rien parce que ça fait juste enlever le point d'appui des chenilles, fait que ça enlève la traction. Ça glisse plus. Fait que c'est juste la descente pour aider à côté ramasser un peu de matériel, mais sans trop la faire rentrer pour pas que les chenilles lèvent. Ça peut aider, mais pas tant que ça. Fait que tranquillement, pas vite, là, je reviens essayer de mettre de la terre ici là, pour solidifier. C'est tout le temps dur d'évaluer des pentes sur YouTube, mais j'ai quand même une bonne côte ici, donc ça rend la tâche un peu plus ardue. Autre constat, j'ai déjà parlé du mode, appelons ça facile, puis mode difficile. Ben en fait, c'est le mode où les deux plus gros cylindres sont liés, sont synchronisés pour que la Mécalac fonctionne comme une excavatrice traditionnelle. Sinon, c'est décuplé, puis il y a une pédale pour opérer un des cylindres. Ben quand on est dans le bois, puis qu'on essaie de se monter, il faut comme avancer. Fait qu'on a besoin de nos pieds pour faire déplacer la pelle, puis... Dans le meilleur des mondes, il faut déplacer les trois cylindres, les trois mouvements du bras pour être capable de sortir du trou. Donc, je me retrouve dans des situations où même si je veux bien faire, puis être bon, puis utiliser les trois fonctions séparément, j'ai pas le choix. Il faut que je link les deux cylindres. En d'autres mots, que je le mette en mode excavatrice conventionnelle pour venir à bout de me tirer puis de sortir pour être capable de faire dans le fond. Parce que sinon, j'aurais besoin de deux pieds droits. Donc... on vient à bout de le faire en mode difficile, mais juste d'un peser un piton, c'est bien facile. Là, c'est clic, puis on est en mode facile, puis ça y va. Là. Donc, très versatile, mais c'est quelque chose que j'avais pas pensé, puis que j'ai constaté en travaillant hier. Un jour, j'aurai un micro, vous m'entendrez mieux quand je suis dans la machine. Pour l'instant, c'est pas le cas. La machine, surtout l'hiver, demande pas mal un bon temps de réchauffement. Je veux dire, c'était comme ça avec la pelle aussi. Mais vous allez beaucoup m'entendre faire des comparaisons entre la Mécalac et la pelle. Je veux pas, c'est les deux machines avec lesquelles j'ai de l'expérience. Puis c'est très similaire tout en étant tout à fait différent. Donc, je trouve ça intéressant là, de faire le AB. Ce matin, là, je vais continuer à transporter du matériel. J'ai enlevé un peu de neige ici, puis après ça, je vais recommencer à tasser. Là. Si ça rentre dans
en terre bien gelé. Ça va mal. Dans le fond, je le mets à peu près à la distance que je travaille. Puis après ça, c'est juste les mains qui font le travail. Fait qu'une certaine façon, c'est un mouvement de moins du boom qui se fait. Fait que moins d'hydraulique. L'hydraulique est plus forte. Puis je veux dire, je remarque pas de perte d'efficience comme ça. Comme je dis, je peux toujours le mettre en mode facile aussi au besoin. Là. Ça va mieux parce que le bucket est un peu plus petit, fait que ça rentre bien dans le sol comparativement à mon autre bucket. Puis j'avais des dents hybrides sur la pelle, c'est-à-dire que mes dents changeantes sur mon bucket étaient plus larges. C'était pas des dents creusées comme sur celle-là, puis je pensais pas que je sentirais une si grande différence, mais oui, étonnamment, ça creuse mieux des dents comme ça. Bye.
ça part, donnez oui. Évident sa caméra, mais c'est vraiment des voyages payants. Il y en a qui, le bucket là, il y en a pas mal qui rentrent. Ouais, ben une autre bonne section de fête. Prochaine étape là, je vais avoir quelques arbres à couper, puis j'ai des cages de bois de chauffage à tasser. Ça va prendre des fourches à palettes que j'attends, mais quand même là. Pour peut-être un 2 heures d'ouvrage, 2 heures et demie, avec, bon, il y a tout le temps un peu de temps et d'efficacité de perdu à filmer, mais ça a bien avancé. J'apprends aussi à niveler mon chemin en travaillant pour pas trop faire des bosses, pour garder ça droit, parce que quand même, on se fait brasser. Fait que là, on apprend. Puis même chose, là, il fait chaud aujourd'hui, là, je pense qu'on est juste au-dessus de zéro. Fait que ça commence déjà à suinter au soleil. Ça était quand même glissant. Mais ici aussi, là, je me rajoutais tout le temps de la terre. Fait que je grattais, je rajoutais de la terre, je grattais, je rajoutais de la terre. Fait que des belles montagnes. Ça va être une belle boîte au printemps. Mais on va être capable de mettre ça beau et d'étendre ça comme du monde avec la Mécalac au printemps.